De tuer tous nos hommes, tous! J'enrage! C'est une calamité de l'enfer, ça ne peut plus durer! Encore un mort aujourd'hui! Deux! Quoi? La vigne vient d'expirer. Vous avez vu? Una stratégie del diavolo! Escarmouche! Ils veulent nous avoir à l'usure! Il y a des chances qu'ils réussissent! Ils ne réussiront pas! N'en suis pas si sûr! Nous n'avons presque plus de médicaments! Il nous est impossible de mettre un pied à l'extérieur du fort! Il faut faire quelque chose! Autrement, nous allons tous mourir! Je vais tenter de traverser le fleuve pour me rendre au lac Champlain. De là, je gagne Montréal et puis Québec, chercher des secours. Traverser le fleuve? Mais c'est un véritable suicide, Tonti. Nous n'avons pas le choix. Puisque nous sommes en danger de mort, autant faire quelque chose. Un voyage pareil, seul, ce n'est pas possible. C'est aussi mon avis. Il me faut deux volontaires. Qui est prêt à me suivre? Moi. Bravo! Il y a gros à risquer, mais j'y vais aussi. Bene. Alors... Et alors? Rien ne bouge, le fleuve est complètement désert, vous pouvez y aller. Bene, montez là pour découvrir. Venez, grâce de Dieu. Ils ont tout prévu.
attaquent. Nous devrions retourner. Autant se jeter dans la gueule du loup. Le meilleur moyen de les aider, c'est d'aller chercher du secours. Allons-y, andiamo. Un couteau. Tu avais quelque chose? Oui, je l'ai fait en plein. À une demi-lieue à main droite. Molto bene. Je savais que nous étions... Autre chose. J'ai vu de la fumée aussi. Hein? À deux ou trois arpents. Tant mieux, Pignabel, tant mieux. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a des coureurs de bois pas loin. Vous désirez quoi? Où est la différence, stupido? S'il y a des coureurs de bois, vous désirez quoi? C'est qu'il y a des canons. C'est ce qui nous intéresse. Eh, avanti! Hey! Les amis, tenez-vous le corps raide, nous tirons notre révérence. Bonne idée! Deux de moins traînés. Attention! Et hop! Allez porter votre pied à la pointe, après vous pourrez aller dîner. Merci, patron. Et merci pour le coup d'épaule. Salut. Alors. Regarde, maman, qu'est-ce que tu en penses? Bien, ma petite Jeanne, te voilà bonne à marier. Tu ris de moi. T'en voilà une idée. Je t'assure que c'est très bien. Tout est prêt. Espérons que les hommes vont arriver avant ton ragoût collé au fond. Tiens, là Jacques et Pierre qui arrivent. Ah, tant mieux. Tiens, commence à servir la soupe. Tiens, toi. Meurs de faim. Et moi donc, hein? C'était vide là-dedans comme un tambour. Eh bien, je vous jure qu'il s'en est abattu des arbres ces jours derniers. Les serpentiers en ont pour 15 jours. Si ça continue dans un an, nous l'aurons notre palissade. Je te le souhaite. Mais j'ai comme un pressentiment qu'il va encore arriver quelque chose. Allons donc, maman. Vous savez bien que tout finit par s'arranger. Tout. Excepté d'arriver à temps pour les repas. En retard, nous autres. Oh, tu triches, Catherine. Tu empiètes sur le soleil. Ah, mon ragoût est prêt, c'est mon horloge. Allez vite, vous lavez les mains. Sinon, vous allez passer sous la table. Oh, je m'en moque. Il reste plus une peau dans le magasin. La barque est chargée et prête à partir pour Québec. Man ye yohe, mahan se te watenti. Wasewe se wakwata kone kahanweya, aknei en skaswari. Thank you.
Tanti, vous dites? Tanti. Le chevalier Tanti. Ton papa me connaît bien. Le chevalier Tanti à Montréal? Mais entrez, voyons, entrez. Quelle surprise. Bonjour, monsieur Lamoine. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Et quel bon vent vous amène? Ce n'est pas le bon vent, mais la tempête, monsieur. J'arrive du Fort Frontenac. Le Fort Frontenac? Vous êtes à moitié mort. Tenez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vite. Je viens celui à boire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Iroquois. Toujours les Iroquois. Ils harcèlent sans cesse la garnison. Quoi, malgré le traité qu'ils ont signé? Les traités. Les Iroquois, ils s'en moquent bien des traités. Je l'ai toujours dit. Il n'y a que le langage du mousquet qu'ils comprennent. Ouais. Il faudra en avoir. C'est entendu, il faut des mousquets. Il faut un régiment. Mais on n'a rien de ça. C'est pas une raison pour se faire tuer comme des lapins. Mais si les Iroquois ont rompu le traité, il faut répliquer. Bien parlé. Il faut répliquer. Et subito. Écoutez, si c'est une déclaration de guerre qu'il vous faut, vous avez frappé à la mauvaise porte. Il faut vous adresser au gouverneur général. Je le sais bien, monsieur. Aussi, mes deux compagnons, Honoré Dany et Jean-Pierre Nabel, sont en route pour Québec. C'est ce qu'il fallait faire. Nous irons, nous aussi. Monte au peine. Non, je suis bien placé pour le savoir, j'en arrive. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis le départ de monsieur de La Salle, c'est le sabbat. Aussi bien au Fort Frontenac qu'au Fort Saint-Louis. Pourtant, il y a l'homme de paille du gouverneur pour rétablir l'ordre. Monsieur de Bourgie. Oh. Ça n'empêche pas les Iroquois d'attaquer tous les jours. Non. Il n'y a qu'une manière de faire entendre raison aux Peaux-Rouges. Faut les exterminer tous. Et à tout jamais. Facile à dire, mais Versailles en a décidé autrement. Oh, Versailles, Versailles. Ces gens-là ignorent ce qui se passe. Ils sont juste bons à tergiversailler. Pignabel, il faudrait qu'on te nomme, toi, gouverneur de la Nouvelle-France. Eh, vous verriez quelque chose. Mon premier geste officiel serait de déclarer la guerre aux Iroquois. Du lutte. T'as des espions qui te l'ont dit, c'est justement ce que je ferais. Eh ben, mon vieux, t'as pas de veine. C'est Labarre qui est gouverneur de la Nouvelle-France. Et Labarre ne déclarera pas la guerre aux Iroquois. C'est ce que tu crois? Allons donc. Je connais quelqu'un qui pourrait bien lui faire changer d'idée. Hein? Qui? Lachenay. Et pourquoi? Il y a pour 300 000 livres de fourrure là-bas, c'est un argument. Je regrette, monsieur de Lachenay, mais la guerre contre les Iroquois, jamais. Mais où est donc cette lettre du ministre de la Marine? Vous allez voir, c'est tout à fait explicite. La voici, Excellence. Merci, pas vrai. Tenez. Ah, il s'agit d'instructions que le ministre de la Marine lui-même, le marquis de Seignelay, m'a fait tenir par les soins du jeune enseigne de vaisseau Pierre Lemoine Liberville. Écoutez, c'est textuel. Empêchez autant qu'il vous sera possible d'entretenir un état de guerre avec les Iroquois. Qu'en dites-vous, messieurs? On ne peut être plus clair. Au fait, il y a un passage vous concernant, monsieur de Lachenay. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous en faire part. Voici. Le commandement des forts Frontenac et Saint-Louis devra être remis à Robert Cavalier, sieur de La Salle, à sa demande et moyennant dédommagement. Je crois, messieurs, que nous n'avons plus rien à dire. C'est un Iroquois? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? La guerre. Toujours la guerre. Ils sont prêts à signer à blanc la colonie pour quelques podcasteurs. Ah, ces marchands abusent vraiment de ma patience. Calmez-vous, mon ami, calmez-vous. C'est mauvais pour votre sciatique. Mais ils me harcèlent de toutes parts, mamie, vous voyez bien. On dirait une meute enragée. Ils la veulent à tout prix, cette guerre. Vous n'avez qu'à leur tenir tête. Vous êtes le maître, je suppose. Je regrette, ma chère femme, mais j'ai l'impression que vous n'entendez rien à la... Dites tout de suite que je suis une idiote. Je n'ai rien dit de tel. Mais comprenez que si tout le monde se ligue contre moi, je devrais finir par céder.
Et alors? Avec quoi la ferons-nous cette sale guerre? J'ai une idée. Une idée? Ah, vous m'étonnez. Mais si vous demandiez au gouverneur de Manhattan, oui, ce monsieur, enfin, je ne sais plus son nom, là, de vous aider à les mater, ces Iroquois. J'avais pourtant demandé qu'on ne me dérange pas. Qu'est-ce que c'est? Monsieur de Comporté désire parler à son Excellence, c'est très urgent. Bon, faites entrer. De quoi s'agit-il, monsieur? Un chef Iroquois désire rencontrer son Excellence. Un chef Iroquois? Il s'agit d'Oreawe, chef de la tribu des Goyogouins. Il est venu en canot, il est blessé fort mal en point. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne veux pas rencontrer d'Iroquois. Surtout pas en ce moment. Tout le monde dirait que je suis de mèche avec ces gens-là. Non, non, non. Allez, et jetez-moi au cachot cet Iroquois. Et vous, Duluth, quel est votre avis? C'est très grave. Emprisonne un chef équivaut à une déclaration de guerre. Je le crois aussi. Mais le gouverneur va sans doute se raviser. Et il va négocier. Enfin, n'y a-t-il donc aucun moyen de lui faire entendre raison? Peut-être, mais comment? À mon avis, il n'y a qu'une chose qui peut le faire bouger. Le Conseil souverain. Ouais. À condition que la majorité de la population pousse derrière. Si c'est tout ce qu'il faut, vous pouvez me faire confiance. Qu'est-ce que tu veux dire? Faites en sorte que le gouverneur général convoque le Conseil souverain. Et moi, je me charge de lui faire la langue à la population. Ce serait plus humain de vivre en paix et de respecter les traités, mais... Les Iroquois ne veulent rien entendre. Ils se font monter la tête par le plus offrant. Il se moque bien des traités. Messieurs, messieurs, si vous voulez bien garder le silence, il va sans dire que l'élément de passion qui risque de s'immiscer dans le débat est de nature à fausser les perspectives de la situation à laquelle nous avons à faire face. Aussi ai-je besoin de vous rappeler à quel point il importe de procéder dans l'ordre et avec calme. La présente réunion du Conseil souverain a été convoquée à ma demande. Je la déclare donc ouverte. Comme le problème qui se pose a surtout été soulevé par les colons de Montréal, je céderai immédiatement la parole au sieur Charles Lemoine, notable de l'endroit. Monsieur, je vous en prie. Je dirai d'abord à votre Excellence ma reconnaissance pour la faveur qu'elle me fait en m'invitant à parler le premier. Un événement curieux s'est produit ici, à Québec. Hier, Oreawe, le chef Goyogouin, est arrivé, pour ainsi dire, comme Mars en carême, et il a été arrêté. Avant de dire ce que j'ai à dire, je demande qu'il soit entendu. Monsieur, permettez-moi de vous rappeler que vous n'êtes pas ici sur une place publique. L'enquête du sieur Charles Lemoine me paraît raisonnable. Le chef Goyogouin est effectivement à Québec. J'ai refusé de le recevoir hier et je l'ai fait mettre au cachot, pour éviter tout malentendu. Ceci dit, je crois que cet homme est le chef d'une importante tribu. Et je ne vois pas pourquoi nous refuserions de l'entendre. Sergent Bayou, allez chercher les... Pourquoi? Allez, monsieur Lemoine, demandez-lui pourquoi il est venu à Québec. Onantio te onanui ratans oreawe. Oreawe te otanwe ratans onantio. Onantio te otanwensini, naote kense, oniote kirenzi tase, nete tiate non tertarikan. Asquan, te soyakan, si se vadri waseroni, noseroni. Ranatakaria, si se wataherotun. Ne aurio attaque, na irori, non antio. Oreawe, te otomen soni ne scane? A ken hake tsinase hantere no serani? Il dit que les Tsonantois attaquent nos forts, qu'il est venu annoncer la chose à votre Excellence,
et réitérer ses sentiments de paix. Bon dia, c'est un mensonge. Un peu de tenue, messieurs, qu'on laisse parler. Poursuivez. Oui, ah oui. Otenon ken se koni rei asiron. Hen, sontake, kento, dikenolonque, vakeherio. Madonna mia, il dit que je l'ai attaqué. C'est un mensonge. C'est lui qui nous a attaqué avec ses hommes. Que répond l'Iroquois à cela? Ton tiraton, il se oratse rio. Ronowen. Que dit-il? Il dit que c'est faux. Son antoan ronon, te yaton wet sohan. Nahon wat irer hawe. Yane. Il dit que les Tsonantois ont attaqué, c'est vrai, qu'il faut les punir, mais non les autres tribus, sinon les cinq tribus se ligueront contre nous. Son Excellence me permet-elle de parler? Je vous en prie, monsieur de Villeray. Puisque les Iroquois eux-mêmes admettent avoir rompu le traité, nous n'avons plus le choix. C'est exact. C'est vrai. Nous devons l'agir avec la plus grande fermeté. Messieurs, messieurs Ducal, je ne doute pas que vous tous ici présents êtes partisans de la manière forte. Mais je me permets de vous dire qu'il ne m'apparaît pas que la population partage votre avis. Que son Excellence me pardonne, j'aimerais lui faire part de la liste des plus valeureux jeunes gens de la colonie. Faites voir. Ils ont tous signé. Le sieur Duluth, Pierre Allemand, le baron de Larontan et tous les autres. Et ils sont tous prêts à s'engager dans une campagne contre les Iroquois. Son Excellence notera que la liste est fort longue. En effet, puisque c'est la volonté de tous, mais je m'en lave les mains, nous porterons la guerre en territoire iroquois. Oui, 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 oui. Que ferais-je du chef Goyogouin? Qu'on le détienne. Allez, sergent Maillot.